Dragons, j'espère que vous allez bien, c'est Dracos et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu. Moi, je pense que vous aurez vu la petite intro du début, c'est l'intro du jeu lorsqu'on lance le jeu de cette manière. Je pense que vous aurez remarqué, donc aujourd'hui on va jouer à Quake, donc c'est un jeu très compétitif, exclusivement multijoueur, exclusivement sur PC aussi, parce que c'est Quake Champion, donc c'est le tout dernier à être sorti si je ne me trompe pas. Et c'est aussi un des rares jeux à avoir sa propre convention de jeux vidéo. La QuakeCon, pour info pour ceux qui ne le savaient pas, on va faire un petit peu d'histoire vite fait rapidement. La QuakeCon, en fait, c'est à la base, ça a été créé par des passionnés du jeu qui voulaient se rassembler pour se foutre sur la gueule, simplement, au même endroit. Voilà. Et donc, ils ont créé la QuakeCon, c'est un rassemblement qui est devenu de plus en plus important. Et voilà, donc maintenant, ce qui fait qu'on a, lorsque vous entendez parler de la QuakeCon, bah, dites-vous qu'à la base, c'est simplement des gamers qui, chacun dans leur coin, ont décidé de se rassembler pour se foutre tous sur la gueule, ensemble, dans une grande salle. Voilà. Et maintenant, c'est devenu un petit peu, vu que ça a été racheté par Bethesda, ID Software et tout le bordel, donc, vu que Quake maintenant appartient à Bethesda, si je ne me trompe pas, je crois qu'il appartenait pas de base à Bethesda, je crois, c'était ID Software aussi. Et donc, vu que Bethesda a racheté ID Software, donc ils ont récupéré double licence d'ID Software, donc Quake, et bah tout simplement maintenant, bah, la QuakeCon, c'est un petit peu le salon de Bethesda. En gros, Bethesda a son propre salon. C'est pour ça qu'à la QuakeCon, vous avez les jeux, enfin, contre la musique est vachement forte, j'espère qu'on m'entendra par-dessus. Je vais passer à la musique, je vais essayer de faire en sorte de baisser le son. On va baisser un petit peu le son de la musique. Voilà, hein. Histoire qu'on puisse discuter quand même. Donc voilà, donc en ce qui fait que la QuakeCon, bah, c'est le salon de Bethesda, c'est pour ça qu'à la QuakeCon, vous n'avez que les jeux de Bethesda qui sont présentés. Donc Quake, Doom, Dishonored, Fallout, The Elder Scrolls, voilà. Donc on va faire un petit topo rapide sur Quake pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un jeu donc exclusivement, si je ne me trompe pas, multijoueur. C'est-à-dire que vous allez affronter d'autres joueurs, etc. Donc vous avez un système de champions, un petit peu à la Overwatch, etc. Donc, hein, donc ce qui fait qu'Overwatch, etc., ils n'ont rien inventé en termes de champions. Hein. C'est plus Quake, au final, qui a véritablement inventé ce système-là. Donc vous avez un grand nombre de champions. Donc là, actuellement, j'en ai trois. C'est-à-dire que vous avez les deux personnages de base, donc qui sont ce perso. Donc je ne les connais pas encore tous. Hein. Je suis niveau 5, j'ai joué trois fois. Voilà, donc vous avez le Rangers, donc c'est un marine solitaire. Et ensuite, vous avez Skull Bearer. Je sais pas, je me trompe pas. Voilà. Donc c'est un espèce de tank, donc chacun a des pouvoirs spécifiques. Hein. On peut voir, ils sont là, donc charge féroce, c'est-à-dire lui, il court, il défonce tout ce qui est sur son chemin. Et lui, il a une arbre funeste qui... un petit rock qui est sorti tout seul, qui lui permet en fait de se téléporter devant lui, là où il envoie son arbre. Ensuite, donc, vous avez plein d'autres, hein. Donc, vous avez celui-ci, donc, on va vite les passer rapidement. Un viseur, donc simplement, qui peut voir à travers les murs, qui est un espèce de wall hack en fait, pour voir les autres joueurs, les ennemis, etc. Vous avez Anarchy qui se déplace sur un espèce de skate, qui permet d'aller beaucoup plus vite. Qui se guérit instantanément et reçoit un bonus permanent de santé et bénéficie aussi d'un bonus de vitesse de 10 secondes. C'est-à-dire qu'en gros, le mec, il se heal. Hein. Après, en termes de points de vie, il a 125, mais il a une petite armure, tu vois, il a vraiment pas beaucoup d'armure. Donc voilà. Par contre, en termes de vitesse, il est super rapide. Ensuite, nous avons la demoiselle Hello, donc qui est Nyx. Nyx qui a le même nom qu'une Warframe d'ailleurs. Marche fantôme, donc Nyx amorce un chargement de phase qui l'a fait temporairement passer dans une autre dimension. Elle devient invisible et ne subit plus aucun dégât. Tout adversaire occupant son point de réapparition, Serg. Elle sera instantanément tuée. Ça peut être sympa, si tu la gères bien, ça peut être sympa. Donc bien sûr, chaque personnage a une bio, hein, donc si vous voulez les lire, je vous invite à mettre pause. Donc là, vous avez leurs stats. Ensuite, donc on va le passer après, parce que je vais jouer un peu avec celui aujourd'hui. Je vais faire deux parties, je pense, aujourd'hui, donc une avec Sorlag et une avec le Doomguys. Donc ensuite, nous avons Clutch.
donc, qui est un robot, donc je n'ai pas pu le tester. Donc vous voyez, ils sont bloqués. Hein. Pourquoi? Parce que il faut les acheter. Ensuite, vous pouvez donc acheter tout le pack, il y a je crois 40 balles, vous avez tous les personnages débloqués d'un coup. Sinon, vous avez toutes les semaines, vous avez un personnage qui devient gratos. Donc pour l'instant, c'est sur lag, donc c'est très bien pour moi. Donc, Clutch, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un bouclier. Bon, en gros, c'est le, comment il s'appelle, le gros costaud qu'il y a dans Overwatch qui met son bouclier, voilà, c'est ça. Clutch élève devant lui un bouclier bloquant tout les tirs ennemis. Le bouclier est désactivé en bref instant à chaque fois que Clutch fait feu. Activer de nouveau le bouclier envoie pendant 3 secondes un laser de minage puissant. D'accord. Ensuite, nous avons Pouf, le roi singe. Moi, j'appelle le roi singe. Il spawn pas. Ok, attends, 2 petites secondes, petite ellipse, on reviendra sur lui. Voilà, désolé, j'avais un fichier qui s'était ouvert en arrière et ça m'a fait bugger les animations. Ça me pète les couilles, ce petit fichier qui s'ouvre en fond, là, faut vraiment que je les mette à jour tous. Donc ensuite, nous avons donc Galena. Galena qui est une espèce de templière. Totem impie, Galena place un totem qui soigne ses alliés, donc c'est un heal, ok. Inflige des dégâts à ses adversaires, le totem disparaît si un ennemi le déclenche ou le détruit. Lorsqu'il guérit un allié, il devient inactif mais peut être réactivé en plaçant un autre totem. D'accord, donc il y a possibilité évidemment de voir à quoi ressemble le truc. Hein. Voilà, bon, je vous l'affiche, voilà. Donc là vous avez le totem, vous avez en gros comment fonctionne, vous avez des petites vidéos qui vous expliquent comment fonctionne le bordel. Ouais, par contre, faut vraiment être à côté du totem pour se régénérer. Hein. Ça régénère assez vite. Donc ensuite, hop, donc celle-ci, j'ai pu la tester, elle était gratuite la semaine dernière. Donc il y a 2 jours, elle était gratuite, j'ai testé vite fait. Donc traînée de plasma, en gros, cette personne, je vais pas tout vous lire, en gros, cette personne a une espèce de petit boost de vitesse qui lui permet en fait d'infliger des dégâts. C'est-à-dire, vous avez une traînée de plasma qui reste au sol et qui explose après. Donc tout ennemi qui passeront dedans prendront des dégâts. Donc BG Blaskovic, le barjo de Wolfenstein, donc lui son bonus, il obtient 2 armes, il peut tirer avec les 2 armes d'un coup. Voilà, donc si vous avez Wolfenstein, vous le connaissez. Le Doom Guys, voilà, qui est bien l'achat vénère. J'ai l'achat, merci. Le Doom Guys, bien évidemment, qui est juste overstylé. Donc je l'ai acheté, hein, donc 10, à savoir que c'est 10€ le personnage. Hein, voilà, c'est 10€ le perso. Je me suis dit, je vais prendre le Doomguys pour la vidéo, parce qu'on... Dooms, quoi. Donc le Doomguys passe en mode Berserker, et donc il infligera des dégâts au corps à corps. Alors, par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il n'est pas insensible aux dégâts à ce moment-là. Les sujets font preuve d'une rage extrême et d'une force accrue. Il a été démontré que les sujets déchargent leur rage sur toute créature vivante à leur portée. Et en l'absence de cible adéquate, se blessent eux-mêmes. Ah ouais, en fait, c'est un peu de la merde, là. Sarker. Ok. Ah mais normalement c'est pas comme ça dans le jeu Doom. Hein. Normalement dans le jeu Doom quand tu passes en mode Berserker t'es invincible hein, et puis tu déglingues tout le monde en un coup hein, dans des façons de manière assez hardcore. Hein. Genre tu leur arraches le cœur, tu les tripes en deux, tu les découpes en morceaux avec tes mains. Enfin bon bref c'est un petit peu dommage. Hein. Donc ensuite on a le monsieur lance-roquette. I only got one thing to say. Stay out of my way. Donc, Kill est équipé de lance-grenades avec un temps de recharge de 10 secondes par tir. Il peut stocker jusqu'à 5 grenades. Donc, c'est même pas des lance-roquettes, en fait, c'est lance-grenades. Ok. Ensuite, nous avons Stog. Stog est piqueur. Donc, lui, il peut tout simplement devenir, je pense, invisible, hein, c'est ça. Stog se camoufle et déploie son drone. Il en prend le contrôle afin de le faire voler autour des joueurs et leur tirer dessus. Lancer de nouveau cette compétence permet au drone de se propulser en avant et telle une roquette explosée. D'accord. Il me fait un peu penser au personnage qu'il y avait dans Killzone. Je sais pas pourquoi, il a une petite tête de personnage de Killzone ce bonhomme. Et enfin le dernier, pour moi c'est un petit peu le Dovahkiin. D'ailleurs c'est dommage qu'ils n'ont pas rajouté le Dovahkiin. Ça aurait été sympa. Il est bien sympa non plus, c'est un drôle. Donc le Dovahkiin, moi mon personnage que j'aurais bien dedans c'est le Dovahkiin et un personnage de Fallout, genre un personnage en armure assistée qui rentrerait très bien dans le thème du jeu je pense. Donc frappe enflammée, tout simplement Dead Knight utilise sa rage infinie pour invoquer 3 boules de feu qui enflamment les ennemis
en laissant une traînée brûlante et mortelle dans une dans leur sillage. Je suis un peu loin de la télé, j'ai un putain de reflet. Ah, je suis où, là. Dans leur sillage, activez une nouvelle fois cette capacité avant que les boules de feu ne touchent. Les fera détonner en une énorme explosion. Il a l'air assez sympa celui-là quand même à jouer. Bref. Donc on va jouer avec Sorlag pour commencer la première partie. Donc je vais vous faire des cuts hein, pour passer les temps de charge, etc. Donc l'ultime de Sorlag, simplement, c'est qu'il va se mettre à cracher du volant. Voilà. Compétence passive, ah, j'ai pas vu, saut de lapin. Le feu champion augmente la vitesse de en sautant plusieurs fois d'affilée. Ah d'accord. Acidité naturelle, Sorlag immunisé contre les dégâts des bassins d'acide. Ok, ah j'avais pas fait gaffe qu'il y avait ça. Double saut, ouais, et protagoniste silencieux, Doomsayer et du chant balèze et taciturne. Il se bat en restant calme et silencieux. D'accord, j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait des. D'accord. Donc à savoir aussi que vous pouvez. Donc on dit que moi j'avais joué que Sorlag, mais. Vous pouvez aussi personnaliser vos personnages. Vous avez des sets, par exemple si je mets ça, paf. Ah oui, voilà. Vous pouvez bien personnaliser votre personnage, ou tout ça, ça s'achète, vous pouvez les gagner dans les coffres. Donc on va passer sur le système de coffres aussi en même temps, tant qu'à faire. Oui, donc, je vais pas acheter de pièces d'armure. Hein. Quoique pour le Doomguys, il y en a quelques-unes qui sont sympas, mais ça s'arrête là. Les butins, donc savoir que vous récupérez des choses à chaque fois que vous vous connectez. Vous avez un bonus de connexion et vous récupérez des butins lorsque vous accomplirez certaines tâches dans le jeu. C'est-à-dire que vous avez des missions à réaliser et vous gagnerez des butins. Donc vous avez trois types de butins, donc j'ai réussi à en collecter de chaque, donc ça va. Donc vous avez les sacs à dos qui sont les trucs les plus simples. Hop. C'est les petits trucs à vous récupérer. Voilà, par exemple, j'ai récupéré un casque pour cette fille. Hein. Vous voyez, ça me fait un casque comme ça. Retour. Ensuite, vous avez les coffres donc qui offrent des butins un petit peu plus rares. Donc là, c'est du butin maximum rare. Là, c'est. Je sais pas ce que c'est épique ou un truc comme ça. Tiennent deux objets chacun, supérieur. Hein. Ok, des objets supérieurs, on peut ouvrir. Donc cela vous en avez deux. Donc teinture rage pour l'arme et teinture arme pour rage pour l'arme. Ok. Donc, vous pouvez aussi bien évidemment personnaliser vos armes. Hein. Vous avez différents skins d'armes, etc. Et ensuite les reliquaires, donc ça c'est des trucs que j'ai obtenus en faisant les missions du jour, etc. On va les ouvrir. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors. Du légendaire. Oh non, j'ai eu cette merde. On le mettra peut-être pour la fin. Plastron spécial, fais voir. Ouais, c'est moche. Donc, vous pouvez l'équiper directement. Teinture légendaire pour l'arme. On va équiper. Hop, vous savez quoi, on va l'équiper sur le Doomguys. Vas-y. Juste pour le délire. Hop, suivant. Et le dernier reliquaire. J'ai un légendaire, donc c'est pour l'autre là qui voit à travers les murs. Ok, bah, on va l'équiper, non, justement, je ne l'ai pas. Teinture rage pour moi. Ça va bien avec ses cheveux, mais ouais, non, je suis pas trop fan. Et teinture arme. Ouais, bof. Donc, il en reste un ? Non, je les ai tous. Okay. Voilà, vous avez vu un petit peu comment fonctionne le système de coffre. Vous pouvez bien évidemment en acheter dans la boutique, hein, ça c'est pas un souci. Vous achetez avec... ces pièces là, donc ces pièces là, les faveurs, c'est ce que vous récupérez à la fin de chaque match en fonction de votre score et de ce que vous avez réussi à faire. Donc en moyenne, j'en gagne environ entre 500 et 400, on peut dire 450 à peu près par match. Vous pouvez en récupérer en bonus du jour aussi, par exemple, c'était hier, je crois, j'en ai récupéré 2000, je crois, ou un truc comme ça. Vous pouvez en acheter là. Ça, par contre, ça s'achète. Avec ceci, donc les platines, ce que vous achetez avec du véritable argent. Et ensuite, il y a les éclats. Les éclats sont déverrouillés. D'accord, donc les éclats, je sais pas où est-ce qu'on les gagne. J'ai pas encore vu où est-ce qu'on les gagne, ce truc. Voilà, mais les faveurs, voilà. Donc les platines, j'ai encore un peu de platines, parce que comme je vous ai dit, j'ai acheté le Doomguys. Donc il me reste à peu près 300 platines. Donc, je peux même pas acheter un reliquaire, tu vois. D'accord, voilà. Comme ça, je sais, voilà. Les éclats servent à acheter le deuxième coffre. Ça aurait été mieux qu'ils mettent les faveurs là. Les éclats là et puis le platine au fond, comme ça faisait 1, 2, 3. Quoi. 1, 2, 3. Ça aurait été un peu plus simple. Je voulais voir alors les bonus du jour. Est-ce que je les ai ramassés où est-ce que c'est déjà ce truc rapport de bug, non, c'est pas ça. Pour remettre, non, c'est déconnecté.
Le perso préféré, parce que je jouais pas mal avec celui-là au début, c'était gratos. Je sais plus où est-ce qu'on récupère le bonus du jeu. Non. Bon, bah tant pis. Enfin, bon, bah écoutez, moi je vais vous faire une petite ellipse jusqu'à ce que je trouve un match. Je vous mettrai dès que le match commence, qu'il y a un système de chauffe au début. Donc sur ce, moi je vous dis bah, à tout de suite, on se retrouve pour le premier match. I smell something delicious. Préparez votre équipe. Et voilà, re les dragons. La manche commence. Donc, dans on va attendre ça pendant 4 secondes. 1 à l'attaque. Et c'est parti. Alors bon, je suis pas un champion, hein. Je préviens tout de suite. Char. Ok, on va déjà blindé. Allez. Les équipes sont à égalité. J'avais beau être un chat, je suis fait démonter. Tu vas faire quoi toi? D'accord. Vous avez pas mal d'armes, vous avez du fusil à pompe, vous avez des lance-roquettes. Vous attendez pas du skill des légendes, hein. Je me fais démonter sans cesse dans ce jeu. Pas mal, hein. Putain, mais ça campe de partout là, c'est quoi ces joueurs que j'ai avec moi qui arrêtent pas de camper? Ah, je voulais utiliser mon ultime. Attends, si c'est bon, j'ai quand même eu. Ah oui, oui, ça fait du rouge, c'est parce que le mec il est en train de prendre des dégâts dus au poison. Les équipes sont à égalité, vous êtes en tête. Ah, quadruple dégâts, quadruple dégâts, j'ai eu mal, mais one shot. Votre équipe bénéficie de quadruple dégâts. Cool. Boum. Je me suis tapé un sale toit arrière. Putain, il était blindé lui. Tu tires où toi? Les équipes sont à égalité. Il est plus en tête. Clearly you don't see how this is supposed to work. T'as raté notre piqué mes kills. Aïe. Protection imminente. Quand on fera un petit match avec le Doomguy. Qui c'est qui roule lui? Protection atteinte. Votre équipe bénéficie de la protection. L'ennemi bénéficie de la protection. Prendre des dégâts. Voilà, moi je leur ai aidé. Silence. Silence.
Cool. Protection. Ah merde, je crois que j'ai mon ultime. Ah, fais chier. Je voulais cracher dessus. Putain, mais alors lui, mais en mode ultime à l'infini ou quoi? C'est quoi ce bordel? Ouah, mais le connard, quoi. Oh, il l'a bouffé, celui-là. Oh, il l'a bien bouffé, celui-là. J'aime pas trop cette arme, hein. C'est de sniper, là. Masse de dégâts, mais je suis pas trop fan. Hey, il s'est cassé, l'autre, là. Mais t'arrêtes de camper, tu prends le roquette pour rien, toi. Quadruple le dégât imminent. Allez, travaux, oui. Merde. Ah, j'aurais pu l'avoir. Ah, je l'aurais eu. Putain, vous faites chier les travaux. Alors, je suis classé combien? Elle dit que moi, mais... putain, mais classé deuxième avec ses, son cheat lui. Bon, moi je suis dernier. Voilà, donc là vous pouvez voir donc le système, donc là, pouf, niveau 6, ah, ultime, défi terminé, donc gagner un match, donc ça c'est nickel. Quoi, j'ai, ah, 2500 faveurs, ça va, j'ai un coffre et un petit sac. Et j'ai fait un match épique, ah, c'est pas mal, un rapport de bataille, ça va. Ouais, meilleur arme, c'était celui-là. On peut gagner des médailles, prochain coffre dans pouf en gagnant des médailles, etc. Tableau des scores, bon. 23 kills, 10 kills. Ça fume, mec. Il fume. Lui, tu m'étonnes que lui il utilisait que lance-roquette. Bah écoutez, on va se retrouver donc pour le prochain match, je vais le lancer, on va se retrouver donc au prochain match. Et on va jouer avec le Doom Guys avec la tête de démon. Cool. Je fais peur. Allez, je vous dis donc à tout de suite et puis on terminera avec l'ouverture des coffres. Voilà, donc à tout de suite. Voilà, c'est parti. Ah, bah attendez. Je peux commencer là, si. Ah non, c'est tour de chauffe. Je suis tout seul. Ah. On va attendre que le tour de chauffe y passe. Hein. Préparez votre équipe. La manche commence dans 3, 2, 1, à l'attaque. C'est parti, mon kiki, on commence avec l'arme préférée du Doomguys. Le pompon. Vous êtes en tête. Mais c'était mon kill d'abord.
Monkey. Un petit peu nul au final le Doom Guy. On va passer sur le fusil à pompe. Voilà. Ah oh, le mec il s'est retourné, j'allais l'avoir. C'est moi qui l'ai. Tu l'as dans le cul, hein, tu l'as dans le cul. Quand j'ai quoi triplé les gars, y a pas d'ennemis. Hein? Pourquoi? Oh, oh, il est... Des munitions aussi, bah tant pis pour moi. Ça te reprend un peu de vie. Voilà, quasi une full life. Ah, arrête. Ça marche pas, je croyais qu'il y avait le rocket jump. Ça marche pas. Protection apparue. L'ennemi bénéficie de la protection. Votre qui bénéficie de la protection. Allez, bientôt la fin. Un petit peu de vie. Quadruple dégâts imminent. Quadruple dégâts.
dégâts apparus. Votre équipe bénéficie de quadruple dégâts. Ça va nous permettre de gagner. Oh putain. Allez, qu'il y ait au moins quasiment tout le boulot. Vous avez gagné. Bon, tant pis. Bon, ben voilà, écoute, on a terminé, on a fait les deux missions, on va aller ouvrir les coffres. Allez, donc je suis pas dernier quand même cette fois-ci. Je suis dernier. Non, ça va, je suis avant-dernier. Eh, je suis pas dernier. Hein. Voilà, tu vois, tu remarques le skill du mec qui évolue. J'ai réussi à être premier une fois, quoi. Une fois. C'est Punk. Punk is dead. Punk is not dead. Not dead punks. Ouais. Bon bah écoutez, on va aller ouvrir les coffres. Sinon je vais gagner encore plein de belles pièces vertes. Les musiques sont sympas par contre. Non ? Ok, donc j'ai le match partie 2 partie terminée. Infliger des dégâts, 2000 points de dégâts, c'est terminé. 4500 pièces, ouais, je suis déjà 27000 pièces, c'est quand même pas mal. Par contre, j'ai pas fait un match épique cette fois-ci. Rapport de bataille, j'ai vraiment pas fait grand chose. Tableau des scores, bon, j'ai fait que 5 kills, 2 kills, pas grand chose. 5, 2, 20, 23 kills quoi. Putain, les mecs qui jouent, qui ont jamais lâché le jeu de leur vie. Bref. Allez, écoute, on va terminer avec de l'unboxing de coffres. On va commencer par les deux petits. Et on s'arrêtera là sur ce mot. Je vous remercie déjà avant de savoir regarder la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace les dragons et les runes. Faut vraiment que je me renseigne pour voir à quoi ça sert. On va les appliquer. J'ai pas encore trouvé vraiment à quoi ça servait les runes. Tueux, viseur, tronc de poids. Ah, c'est peut-être des objectifs à réaliser en fait. Possible. Peut-être des objectifs qu'on doit réaliser pour gagner apparemment des peintures. Ouais, c'est ça en fait les runes. Ok, ouais, ok, d'accord. Bon, si, vous avez un système de... J'en ai pas parlé parce que je savais pas trop comment ça fonctionnait. En fait, apparemment, ça a l'air d'être ça. Donc, en fait, lorsque vous avez complété un cercle de runes avec les missions qui vont avec, hop, là par exemple, obtenez des désintégrateurs 20 fois, tuer viseur 30 fois, je pense qu'après, je récupérerai donc là un coffre. Et je pense qu'une fois que tout ceci sera terminé, donc par exemple pour les violettes, on va prendre les violettes. Et voilà, si je termine toutes les jaunes, bah j'aurai le skin unique jaune, etc. On retourne donc sur les butins, on ouvre celui-là. C'est un pantalon, jambière spéciale. Vas-y équipe, on s'en fiche de toute façon. Je le jouerai peut-être pas celui-là. Et la dernière, et sur ce, moi je vous dis donc une fois de plus, dragon. Peace, à la prochaine. Bye bye. Blablabla. Moche.